Bon, on va arrêter les conneries. Allez, trop bien, je laisse encore une fois. Comme ça, je peux continuer à écrire des conneries sur mon Discord. Alors, on va pas la mettre une troisième fois et je vais arrêter de lire ce qu'ils disent sur le Discord. Ils ont qu'à venir sur le live. Quelle bande de vilains! Tous des vilains! Hein, mais c'est pas grave. On est bien. Nous en étions juste après la fin du palace Big Bang Burger. C'est-à-dire que nous venons de récupérer Haru. Haru.
Et nous allons continuer l'aventure. De toute façon, je crois qu'on ne pouvait pas faire grand chose. Tu peux vraiment m'en aller? Ah non. On va réparer l'ordinateur. Vas-y, fais pas ça. Bon, on va dormir. C'est un jour, un nouveau bonjour. Je comprends plus rien. Mais ouais, ça a l'air bien. Il semblerait que l'on se soit trompé, détenu. Contrairement à ce qu'on pensait, il semblerait que tu sois plutôt prometteur. Your powers continue to grow, as do the relationships you hold with your contractors. Ton pouvoir continue de grandir alors que tes relations grandissent avec ceux à qui tu as passé un contrat. C'est un jour, un nouveau. Non, mais des fois j'ai envie. Voilà. Mais non, il n'a pas changé par rapport au dernier. It seems the rehabilitation is proceeding at a fine rate. Il semblerait que ta réhabilitation se poursuit à un rythme normal. Allow me to warn you on one matter. Toutefois, permets-moi de te prévenir au sujet de quelque chose. Being at the peak may mean you are mere moments from your downfall. Être au pic de ta gloire signifie que tu es juste au bord de la chute. Unexpected situations are necessary in a game, after all. Des situations inattendues sont nécessaires dans un jeu, après tout. Pardon, excusez-moi. Encore ce rêve. Bordel. Je suis humain. Il faut que je le sois. Je... Il n'y a pas moyen que je sois né comme ça. Il faut pas que je me laisse avoir par des rêves. Je suis sûr que tout deviendra clair une fois qu'on aura atteint les profondeurs du Memento. Oui. Il est où mon bonnet Pandore? C'est une question pertinente. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre, comme d'habitude. Mais c'est pas une excuse pour ne rien faire. On devrait continuer à utiliser notre temps avec intelligence. On va aller avec Anne, parce que j'aimerais finir Anne. Parce que on est à un rendez-vous, je pense, d'être parfait. Thanks.
J'ai une séance photo aujourd'hui. C'est une couverture spéciale avec moi et Mika. Soyons prêts de la vie personnelle de deux mannequins populaires. Je veux y aller. C'est à côté du parc, sur le bord de la côte. Allez, allons-y. Let's go! Et ne refais plus de cascade comme ça, d'accord? D'accord, je ne ferai plus rien. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben. Oh, tu en as été victime toi aussi. Est-ce que c'est ok si je lui dis Mikachu? Ouais. Vous vous rappelez, il y a un moment quand certains modèles ne se présentaient pas aux séances photo. Ah oui, je me rappelle. Apparemment, c'est Mika qui ne cessait de faire cela. Au début, quand on a entendu les rumeurs, on pensait juste que les gens étaient jaloux. Je veux dire. Les séances qu'elle remplissait a vraiment boosté sa popularité. En tout cas, je lui ai demandé et elle m'a dit que elle était désolée. Ce que je faisais était vraiment terrible. J'ai causé beaucoup de problèmes à tout le monde. Mais à partir de maintenant, je vais travailler encore plus dur, je vous le promets. En tout cas, commençons. T'as vraiment fait quelque chose d'aussi naze? Qu'est-ce que tu appelles naze? L'industrie est remplie de mannequins. Si tu n'as pas une façon de rentrer, ta carrière ne va jamais s'élever au-dessus du sol. La chance n'arrive pas à ceux qui attendent. Tu dois créer ta propre chance si tu veux avoir du succès. Ah, tu es vraiment quelque chose, hein. C'est ta faute d'avoir créé un trou. Maintenant, si tu n'arrives pas à ramper pour remonter en haut, tu n'as qu'à rentrer chez toi. Et de toute façon. Ce n'est pas comme si je n'avais aucun talent. Je n'avais juste besoin que de quelques photos pour rendre tout le monde faux. Des fois, tu prends des voix limite hétérogènes. C'est parce que je rêve de faire des érogués en live. Et pour l'instant, c'est pas possible. Mais j'y réfléchis. En fait, tu m'as pas dit à quelle heure tu voulais que je vienne samedi. Si je viens ou pas. À quelle heure ça se finira? Parce que si je viens à 7 h, il faut au moins qu'on passe 1 heure ensemble, quoi. Tu parles beaucoup, mais... Ils ne sont pas encore au courant de tes faux emails. Après tout, toi aussi, tu as été... D'accord, 9 h, cool. Après tout, toi aussi, tu as été trompé par mes fausses excuses et tu as été suffisamment stupide pour le cacher de... De toute façon, ils ne peuvent pas me saquer. Je suis beaucoup trop populaire. Et même si cela signifie que je suis détesté pour avoir agi comme ça. Tu es tout comme le vilain que j'admirais quand j'étais jeune. Belle, forte et un peu cinglée. Honnêtement,
Je ne peux pas te détester. Pourquoi? Moi, je n'ai aucun problème à te haïr. Désolé, Mika. Mais tu travailles trop dur. Et je vais te prendre la première place. C'est moi qui serai le premier mannequin de l'agence. Tu es peut-être plus populaire maintenant, mais c'est, je vais te voler ta place de façon fair. Dans les règles. Hein? D'accord. Alors on va voir si tu arrives à me battre de façon fair sans tricher. Ça me semble bien. La séance photo a commencé. Anne et Mika sont toutes les deux incroyables devant la caméra, devant le l'appareil photo. Oui, c'est ça, de ce côté. Hey, ce n'est pas Mika. Waouh, elle est encore plus belle en personne. Ah, oh, c'est Mika. Il y a aussi Anne. Elles sont tellement mignonnes. À votre avis, qu'est-ce qu'elles mangent pour avoir des corps comme cela? Ce monde est vraiment injuste. Elles doivent avoir une certaine beauté naturelle, mais elles doivent faire beaucoup d'exercices pour avoir de tels beaux corps. Waouh, quelle pose! Donnez-moi encore quelques-unes. Oui, comme ça. Quelque chose a changé chez Anne, n'est-ce pas? Elle semble vraiment beaucoup plus sexy. Peut-être qu'elle a gagné en confiance. Voilà, prenez 5 secondes, 5 minutes. Et va te changer, Mika-chan. Ah, c'était vraiment marrant. Tout s'est plutôt bien passé jusqu'à présent. Comment est-ce que j'étais? Tu as vraiment tout donné. Oui, j'ai travaillé vraiment dur. Et tu m'as regardé, Mekka. Ouais, je te regarde. Je sais que j'ai dit que je voudrais être le mannequin numéro 1, mais je crois que ça serait bien si cela n'arrivait pas. Pour l'instant, j'ai juste envie de m'améliorer, un pas après l'autre. Et puis un jour, sur la ligne, je serai capable de me regarder avec Pride, c'est Spawner, c'est fierté. Heureusement, les gens verront cette confiance en moi et ils en réussiront à en obtenir de la force. Je veux devenir un rayon de lumière pour les gens de la planète. Comme toi, Shio, vous l'avez été pour moi. Peut le faire, Anne. Oui, tu as raison, merci. Bakel, tu es ma lumière. Je suis désolé, je t'ai déjà dit qu'on ne sortirait pas ensemble. Allez, c'est parti. La pause est finie, Anne. C'est toi qui seras le personnage principal pour la session suivante. D'accord. Hey, tu restes encore un petit peu jusqu'à la fin de la séance photo, d'accord? Anne semble penser à quelque chose. Quand j'ai rencontré Shio, quand elle m'a sauvé, j'ai réalisé que les relations personnelles, c'est quelque chose que l'on doit apprécier. Et trésor, c'est plus fort que apprécier, c'est on doit chérir.
I'm not going to run away anymore. C'est pour ça que je ne vais plus fuir. I'll face myself head on. This time, it's my turn to help someone. Hey, Meridens! Nice to see you! Merci. Merci pour le follow, c'est cool. Bienvenue sur Bacal Live. Prends une chaise, installe-toi. Je vais faire face à moi-même cette fois-ci. C'est mon tour d'aider quelqu'un. Je suis plutôt inquiète. Tu penses que tu pourras m'aider, Becca? Tu peux me demander n'importe quoi. Tu peux compter sur moi toi aussi, si tu en as besoin. Je le fais déjà. Je crois qu'on réussit enfin à se voir pour ce que l'on est, Bakel. Je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré. Ah oui, c'est partout, en fait, les animations sont à la ramasse. Ouais, les animations de Wisebot sont à la ramasse ces derniers jours, c'est incroyable. Je sens un lien fort qui m'ennuie à Anne. Alors qu'on est... Enfin, tous les deux, que je me rappelle, on a tous les deux payé Wisebot. Si je me trompe pas, Cass, toi aussi. Et là, on va voir en quoi se change le persona de l'amour. Deuxième éveil. Attention les amis, on a maxé Anne, on peut maintenant faire Ishtar. Et voici Carmen, Carmen qui devient... Malsas, ouais. Je sens un nouveau pouvoir qui grandit en moi. Carmen qui s'est transformée en Hécate, une déesse égyptienne. Et je crois que c'est plutôt les chats, Hécate. C'était pas des chiens qu'elle avait attachés à ses chaînes. En tout cas, ça veut pas dire que je vais arrêter de compter sur toi. Après tout, tu es un éternel membre de mon fan club. Éternel ? Ça veut dire pour toujours, tu as compris ? Ok. En tout cas, mangeons avant que ça soit froid. Merci, depuis le temps que j'entends parler de toi, il était temps que je vienne voir. Il y a des gens qui parlent de moi? Non mais vous êtes sérieux quoi? Vous avez rien d'autre à faire? Ah, si tu savais comment ça m'excite quand vous me dites des trucs comme ça. Allez, c'est le moment de manger. Déjà que j'ai tout excité ce soir à faute du jeu. Ah, tu es de retour. Mon père commence à agir bizarrement dernièrement. Il est enfermé dans son bureau et sa voix manque d'énergie. Cela semble plutôt similaire à ce que Madarame a vécu à l'époque. Et Madarame a eu son changement de cœur à la fin. Ne t'inquiète pas, la rue. C'est cela. Toutes mes excuses, je ne voulais pas semer le doute chez vous, ou quoi que ce soit d'autre. Ne t'inquiète pas, on ne t'accusait pas. Les gens agissent un petit peu bizarrement après avoir eu leur cœur volé. Et ça serait plutôt difficile de ne pas s'inquiéter de changements aussi soudains. Tout ira bien, oui. Oui, en effet. Je me sens mieux maintenant que j'ai pu en discuter avec vous. Merci. La réputation qui précède le Baka, c'est beau. Putain, mais je sais pas d'où elle vient, cette réputation, ça m'inquiète un peu.
J'ai envie de demander Meridant, mais je veux pas que tu te sentes forcé. Il semblerait que le cas Okumura soit fini et qu'il ait bientôt une fin joyeuse. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est attendre le changement de cœur. Ouais, enfin, il reste 19 jours à attendre. Tu as sauvé le théâtre. Comment est-ce que tu vas? Ton skill légendaire. Ouh. Back in live. Direction la lune. Il faut bien ça. Il y a un magazine qui sort toutes les semaines qui a dit que Kuromoto était le vrai coupable à propos du vol des fonds. Le vieux Kuromoto va certainement devoir se retirer du monde politique. La police ne peut plus rien faire vu que c'était il y a 20 ans, mais il a certaines obligations morales. J'ai entendu dire que son petit-fils Benzo a lui aussi quitté le parti. Du coup, c'est qui des... Non, je déconne. Merci, Mademoiselle Pika, de faire un peu de pub. C'est vraiment cool. Je te fais des gros bisous. Cela peut être sous l'influence de Matsu Ita. Ou peut-être que le parti a juste voulu payer pour son propre crime. Maintenant, c'est à moi de montrer mon habileté. Quand est-ce que ton discours va commencer, Toranosuke? On peut pas attendre. Pensez que les gens seraient excités de m'étendre à jour. L'article mentionne que je ne voulais pas le vrai culprit être nommé, même si je savais qui c'était. L'article mentionnait le fait que je ne voulais pas que le vrai coupable soit nommé, alors que je le savais. Apparemment, les gens m'admirent pour avoir supporté silencieusement de fausses charges pendant 20 ans. I didn't intend for any of this to happen, though. Je ne voulais pas que ces genres de choses arrivent toutefois. Tu vas pouvoir enfin être toi-même. J'apprécie vraiment que quelqu'un comme toi qui m'a regardé de si près puisse dire quelque chose comme cela. I've struggled for the past 20 years, but I can put that all behind me after the election. Et j'ai beaucoup bataillé dans ces dernières 20 années, mais je peux enfin tout mettre derrière moi une fois que j'aurai réussi à être élu. Oh, look at the time. Oh, regarde l'heure, il va falloir que je commence. Aujourd'hui, ça sera la dernière fois que je demanderai de l'aide à un membre des voleurs fantômes. Je ne compte pas me mêler de tes histoires. Tout ce que je t'ai dit, c'est basé sur des assumptions. Mais si tu es toujours d'accord pour m'écouter, alors je pense que tu devrais te concentrer sur ton travail, parce que c'est le moment. Je ne pense pas pouvoir t'apprendre grand chose de plus. Tu es maintenant un expert dans les discours. Je t'ai tout dit sur les discours. Maintenant que tu m'as supporté et que tu m'as aidé tout ce temps. Et avec le temps, tu es quelqu'un qui a partagé mes croyances. Merci. Grâce à toi, j'ai réussi à combattre mes propres problèmes ces derniers mois.
I will strive for the royal road of politics, thinking of you as you walk down your own path. Je vais grimper la route royale de la politique alors que je réfléchirai à toi qui parcours ton propre chemin. But if you ever find yourself in harm's way on your journey, I will be there to help you. Mais si tu as le moindre problème pendant ton voyage, je serai là pour t'aider. We'll be comrades who reform the world. On sera des camarades qui réformeront le monde ensemble. Alors, je sais que pour beaucoup, vous n'étiez pas là tout le long du jeu, donc c'est un peu compliqué. Mais en fait, on a passé pas mal de temps avec cet homme. Cet homme qui est un homme politique assez intéressant dans le sens où, en fait, après avoir compris qu'il avait fait de la merde pendant sa jeunesse en tant qu'homme politique, il a décidé que ce qu'il voulait faire par la suite, c'était améliorer les choses. Et c'était... Enfin, son histoire est vraiment extrêmement intéressante, extrêmement bien écrite. Et maintenant qu'on en arrive au bout, en fait, qu'il sait qui on est, mais qu'il continue à nous soutenir, et qu'en même temps, nous, on est d'accord avec lui, on continue à le soutenir, moi, je trouve ça magnifique. Je suis... Tous les personnages de Persona ont une écriture qui est juste énorme, quoi. Je veux dire, il y a 12 personnages principaux, à peu près. Il y a 12 histoires totalement différentes et très très intéressantes qui sont écrites. Vous avez obtenu la dernière forme de charisme du discours. Maintenant, vous pouvez même réussir à récupérer les ombres qui sont plus fortes que vous. Et on peut créer Asura, le dieu de la vengeance. C'était un plaisir, Méritant. N'hésite pas à revenir quand tu le voudras. Je te fais des gros bisous. Moi, ouais, je te comprends, petite gameuse. Je suis sûr que tu arriveras à accomplir tout ce que tu as prévu. Thank you. Vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Right. It's time to begin. Très bien, c'est le moment de commencer. Le discours de Yoshida va commencer. J'ai coupé court à mon rendez-vous pour pouvoir regarder tout ça, tu sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une aspiration dans la vie? J'ai rencontré un jeune homme. Ah putain, j'en ai des sanglots dans la voix, quoi. Avec une méthode qui diffère de la mienne, il a trouvé un moyen pour réformer le monde. Et comme vous le savez, c'est une très haute montagne à essayer de traverser. Malheureusement, je suis incapable de voyager par le même chemin que lui. Toutefois, je ne lui dirai pas au revoir. Parce que nous allons certainement nous rencontrer au sommet. Il fait tout ce qu'il peut pour réussir à obtenir ce qu'il veut. Donc je vous y encourage, s'il vous plaît, trouvez ce que vous voulez faire. Et je vous aiderai, parce que c'est ça que j'aspire à faire. Tu vas y arriver, Toranosuke. Je crois en toi. Parce qu'ils sont venus sur le live pour voir ce qui se passait. C'est pour ça que le D et H sont très Saint-Thomas. Toi, tu parles de X et Y qui parlent à A ou B. A ou B qui parlent aux autres. Et D et H sont ceux qui iront voir. Donc, la petite minorité qui se disent « Tiens, on m'a parlé de lui, peut-être que je devrais y aller. »
C'est pour ça qu'elle dit que ça fait très Saint Thomas. Parce que ce DAH sont ceux qui sont allés voir. Et qui ont voulu savoir ce que c'était. Du coup, vous ne vous comprenez pas vous-même. J'ai écouté le discours de Yoshida bien plus longtemps. Et puis je suis rentré à la maison. Ah putain, on a maximisé Yoshida, c'était tellement bon. Je sais pas comment vous expliquer en fait le sentiment que j'ai en fait, parce que tout le long du jeu, on est très proche de ces personnages. Oh my heart. J'ai 100 heures sur cette partie et j'en ai 140 sur la précédente. Et c'est vrai que ces personnages sont pour moi incroyables en fait. Ils sont incroyablement vivants en fait. L'écriture de Persona est vraiment quelque chose de génial. Where have you been? It's such a long Class is starting. Merci pour le café, Mlle PK. Commençons la classe. On va continuer là où on en était la dernière fois. Well... Monsieur Ushimaru, s'il vous plaît, vous veuillez vous rendre au bureau des professeurs. Quoi? Et j'ai rien à faire. Ah. Et alors, vous avez qu'à travailler par vous-même jusqu'à ce que je revienne. Hey. Cette voix, est-ce que c'était pas Kawakami qui l'a parlé? Je suis sûr que en fait, c'était un signal pour dire que tu pouvais glander. What do you wanna do? Ah, on peut pas encore faire des réserves de munitions. C'est tout nul tout ça. J'avais oublié que j'avais le lockpick illimité maintenant. Hey. Oh ouais. All right. Et il ne savait même pas de quoi c'était, de quoi il voulait parler. Ah, de toute façon, on va continuer la leçon. Yep. On a fini à temps. Kawakami nous a vraiment donné un bon coup de main cette fois. Ouais, parce qu'on a soudoyé une prof. Comme ça, elle nous fait du temps libre pendant les cours. Ce qui nous donne des actions en plus dans la journée. Du coup, on va aller continuer de maxer les personnages. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire, hein, soyons honnêtes. On a fini tout ce qu'on pouvait à part ça. Et je m'en bats les couilles. On va aller voir les gens. Alors, où on en était avec Yuzuke? Alors ça t'a fait du bien cette soirée du repos? Ouais, j'ai fait une bonne soirée de repos. Je suis allé me coucher, il était 22h quoi. Non, c'est pas moi. I'm your best person. Bah tu vois. Ah ouais, non mais ouais, j'ai fait 2-3 parties de...
Putain. De minage de sol. C'est sympa. Il était toujours enfermé dans son bureau aujourd'hui. Cette réaction est plutôt vague. Enfin, il a été la tête dans le vague quand il m'a répondu « Est-ce que c'est normal ?» Adarame était plutôt dans le même état. Tout ira bien et tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Vous avez raison, je vais croire en notre propre travail. Merci et désolé de poser tant de questions. On va appeler la prof. Je suis tellement heureux que tu m'aies appelé. J'ai de bonnes nouvelles. Les Takase sont venus à ma maison aujourd'hui et se sont excusés. Ils m'ont dit que je n'avais plus besoin d'envoyer le moindre argent et qu'ils vont me renvoyer tout ce que j'ai payé jusqu'à présent. Ils ressemblent un petit peu à des personnes différentes. Comme ce qui est arrivé à Monsieur Kamoshida. Tu ne saurais pas... En tout cas, c'est tellement un soulagement. Ils se sont excusés auprès de Takase, au sujet de Takase, et ils ont admis que ce qu'ils avaient fait était terrible. Ils m'ont même dit que j'étais un bon professeur. Et alors, pour Futaba, toujours pas dragué. Non, on n'a pas commencé, Futaba. J'y vais tranquille. Mais j'ai décidé que je vais quitter mon job à temps partiel en tant que domestique. J'ai parlé avec mon patron. Et maintenant qu'il a trouvé quelqu'un pour faire mon travail, je crois qu'il n'aura plus aucun problème. Maintenant, je peux enfin recommencer en tant que professeur. Je peux prendre soin de mes étudiants ma confiance. Je veux être le professeur idéal qui va les inspirer à devenir meilleurs. C'était pas une question, les amis, hein. C'était juste une phrase. Que tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit qu'il fallait que je partage avec vous et que je vous permette d'y réfléchir aussi. Je pense que je serai une vieille femme le temps de réussir à achever mon rêve. Ça n'a aucun sens. Ah, tu as raison. Je suis toujours dans la tranche démographique que l'on considère comme étant jeune.